Oui, bonsoir. Dans cette deuxième vidéo, je vais euh, continuer avec euh, la présentation du développement de sites internet via la plateforme Phoenix. Donc hier, dans la première vidéo, j'ai introduit bri... j'ai introduit brièvement euh, comment utiliser Phoenix pour la création de sites internet et j'ai expliqué euh, dans une vidéo que vous allez certainement trouver sur YouTube comment on peut euh, installer comment on peut configurer un design euh, sectionner et l'importer dans son site internet en utilisant euh, quelques configurations de base notamment euh, quelques variables et et et, en, et et aussi en sectionnant les différentes parties donc dans, de, dans cette deuxième vidéo je vais juste faire un petit récapitulatif pour voir comment euh, du moins, qui résume un peu ce que j'ai eu à expliquer hier, et ensuite, je vais travailler sur l'aspect des variables. Donc, notamment, je vais parler dans cette vidéo des variables locales, euh, globales, et je vais aussi parler de quelques fonctions en fonction du pro donc qui sera qui seront euh, nécessaires pour le projet dans lequel je suis en train de travailler. Donc, euh, j'ai commencé le thème qui s'appelait Gilles Blas, et c'est un thème que j'ai téléchargé sur, sur Google, donc et c'est un thème gratuit dans tous les cas. Je pense que peut-être à la fin de la vidéo, je peux laisser également le thème pour que vous puissiez l'utiliser dans euh, l'utiliser pour peut-être pratiquer. Donc euh, là, le thème Gilles Blas, je l'ai euh, le thème qui s'appelle Blas, je l'ai assigné à un nom de domaine qui s'appelle gillesblas.ca. Donc ça, c'est vraiment plus euh, pour Faire la démonstration. Et si je clique sur View, donc là, je me rends compte qu'il y a trois onglets. Il y a l'onglet download qui me permet de télécharger déjà le thème avec les composantes de Phoenix. Et il y a l'onglet sync design qui permet de synchroniser, euh, sur le nom de domaine gilblas.ca. Et il y a le bouton connexion, donc qui permet de me connecter automatiquement au site internet digitalblast.ca si éventuellement je veux faire des tests. Donc, là, présentement, euh, si je clique sur, sur sync, sur customer website. Bon. Là, je pense que pour la première fois, il y a une erreur. Donc, là, là, ça me dit, ça a effectivement bien fait la connexion. Et si je veux me connecter au site, je peux cliquer sur ce bouton. Ça va automatiquement me rediriger vers la page de connexion de WordPress. Euh, pour être en mesure de faire mes configurations. Donc, à la base, lorsque on commence avec le développement d'un site Internet ou d'un design, le design ne se trouve pas encore euh, dans le site Internet. Donc, par conséquent, il sera question déjà de venir dans l'onglet Phoenix Website Settings et de faire quelques configurations de base. Donc, ici, dans cette premier onglet, On va éventuellement mettre le nom du site Internet. Je vais appeler, par exemple, bon, ça c'est mon. Ici, je considère que ça c'est ma page de portfolio personnel je vais, je vais écrire Gilles Blas Montepo aussi pour mon nom et ici il sera question de mettre l'adresse courriel donc je peux mettre mon adresse courriel ici c'est une petite description mon blog personnel et là je mets peut-être l'adresse, bon, peut-être l'adresse de la compagnie copyright, donc le droit d'auteur peut-être les heures d'ouverture donc, si je continue sur deuxième onglet, ici, il sera question de mettre les liens vers les médias sociaux. Donc éventuellement, je peux mettre les différents liens de Procide Web, par exemple. Euh, YouTube. Et dans l'option, l'onglet 3, on va demander de mettre le logo. Donc, je peux choisir un logo. Dans tous les cas, je vais revenir là-dessus. Et ici, éventuellement, on peut demander les informations personnelles. Bon, Ce n'est pas forcément nécessaire. Et bon, cet onglet généralement c'est c'est généré automatiquement. Mais la seule chose qui est intéressante dans cet onglet c'est vraiment euh, la possibilité de mettre le l'URL global et le et le texte pour l'URL global. Donc euh, bon, on on, vient, on reviendra un peu sur les variables globales plus tard, mais en gros le Phoenix website settings permet de définir ce qu'on appelle les variables globales. À notre site internet et on a aussi cet anglais pour les API donc euh, si éventuellement on souhaite connecter le site internet avec euh, l'outil d'email marketing donc il y a ce qu'on appelle l'email marketing API key et l'email marketing IP, API secret et on a également la possibilité de connecter le site internet avec euh, le recaptcha donc pour protéger les formulaires contre les spams bon et on a aussi prévu euh, ce qu'on appelle Tuilo pour envoyer des SMS à partir d'un site internet et éventuellement d'autres API comme Google Analytics, Google Ads et ainsi de suite. Donc une fois que j'ai fait tous ces changements, je peux cliquer sur Mettre à jour. Donc après avoir fait la mise à jour, euh, c'est qui va me donc, je, donc là déjà je peux aussi sélectionner. Je pense que dans cet onglet, il sera question pour moi de sélectionner le design pour mon site internet. Bon quand je parle du design, en réalité il s'agit euh, du design que j'ai sélectionné ici. J'ai sélectionné ce design, assigné ce design Gilles Blas à mon site internet gillesblas.ca. Donc, par conséquent, il sera question pour moi de sélectionner ce design à ce niveau. Donc, je vais cliquer sur mettre à jour. Et ensuite, je vais donc, je peux donc recréer les pages avec le design que j'ai choisi. Donc, bon, ça, c'est un site web qui est qui a été nouvellement installé. Donc, je peux appeler cette page ma page d'accueil. Donc, j'appelle cette page accueil. accueil donc euh, là je peux cliquer là je peux également créer une page de bloc et ok parfait donc généralement les pages sont créées en fonction du besoin donc ça veut dire pour un projet donné on peut être amené à créer plusieurs ou une seule page par exemple on peut être amené à créer la page d'accueil, à propos, service, blog, page de contact. Donc, c'est vraiment, euh, ça dépend vraiment du projet et du besoin d'un client. Donc là, je peux contact, créer une page que je vais appeler Contactez-nous. Et une fois que j'ai créé cette, cette page-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais venir dans cet onglet, je vais cliquer sur Modifier la page d'accueil pour être en mesure de, de tout simplement régénérer mes blocs. Donc, là, je vais, euh, je vais déjà, bon, je vais faire quelques réglages de base, euh, lecture, dans l'onglet lecture, euh, ma page d'accueil, c'est accueil, et ma page de blocs c'est ça. Donc, je clique, mettre à jour. Et, normalement, normalement, le but de Phoenix, c'est de générer, c'est de créer les blocs qui sont réutilisables. Et ces blocs, ces blocs sont réutilisables en utilisant l'éditeur de WordPress, qu'on appelle couramment l'éditeur Gutenberg. Donc, si je viens sur modifier, euh, J'aurai accès, du moins, à, au formulaire de WordPress qui est un peu, bon, qui est un peu comme ça. Et via ce formulaire de WordPress, j'ai accès à ce bouton de plus, qui me donne la possibilité de, de pouvoir sélectionner ce qu'on appelle les motifs, donc euh, ou les blocs dans tous les cas. Donc généralement, il sera question pour moi de rechercher le bloc. Donc je vais, je vais rechercher normalement. Si je recherche le bloc, le bloc Gildblas va forcément se trouver dans l'onglet bloc. Donc, juste pour euh, un peu revenir un peu en arrière. Donc, si éventuellement le nom du design s'appelle Gilles Blas, le bloc sera Gilles Blas. Si le nom du design s'appelle euh, peut-être si je reviens euh, peut-être Agence Arinka, le nom du bloc sera Agence Arica. Ainsi de suite. Donc, ça veut dire que si je viens ici, si j'avais choisi le bloc Agence Arinka pour mon site, techniquement je, je devrais rechercher Agence Arinka à ce niveau. Ok. Et aussi euh, ce que vous allez remarquer, c'est que, 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 lorsque je sélectionne, j'ai ce bouton, ce crayon pour être en fait en mesure de faire des modifications. Et à partir de là, je suis en mesure d'accéder aux différents sous-blocs du bloc Gilblas. Et ces sous-blocs, ce sont des blocs qu'on recrée, qu'on crée lors du développement. Donc, je vais, par exemple, revenir dans le design que j'ai créé, qui s'appelle Gilblas, et que j'ai eu l'occasion d'expliquer hier. Euh, si je vais dans l'onglet Tweak, vous allez vous rendre compte qu'il y a une similarité entre les noms des blocs et les éléments que vous pouvez retrouver ici. Donc Ici, par exemple, About, Callout, euh, CTA, Footer, et ainsi de suite, ce sont des noms des sous-blocs. Et ces sous-blocs se trouvent exactement ici. Donc, pour, pour recréer ma page, ça, le principe va tout simplement consister à euh, venir à appeler déjà le, le nom du bloc, qui est et ensuite, de, 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 reconstruire la page en utilisant les sous-blocs. Et ces sous-blocs, généralement, c'est classé selon la, selon ce qu'on souhaite faire pour le site internet. Bon, dans ce cas particulièrement, pour moi, il sera question de sélectionner d'abord header. Et ensuite, euh, il y a le bloc que j'appelais, appelé euh, « je sais pas si c'est top banner, je crois que oui, top banner et ensuite il y a euh, je peux appeler bloc euh, about après je peux aussi appeler call out après call out je peux appeler service après service city A après city A je peux avoir portfolio et après portfolio euh, je peux appeler euh, footer bon quoi qu'il en soit généralement il sera question vraiment de de pouvoir, d'avoir des informations déjà de base et de recréer ces blocs, euh, pour respecter certainement la structure du design. Donc, euh, dans mon cas particulièrement, je ne sais pas si top banner est là, mais faut, je peux peut-être enlever ça pour le moment. Euh, si j'ai about, ça fait 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, euh, peut-être avant footer, je vais peut-être mettre map. Euh, donc là, ça fait 8. Euh, Qu'est-ce qui manque? Ok, parfait. Donc, en gros, voilà un peu la reconstitution. Si, si je clique sur enregistrer, je vais être en mesure d'avoir quelque chose comme ça. Donc, ce design correspond tout simplement à, au design qui a été téléchargé via la page Stat Bootstrap et qui et éventuellement utilisé pour reconstituer le bloc donc là maintenant je veux parler de l'aspect dynamique du design euh, dans la vidéo d'hier j'ai expliqué que pour être en mesure de euh, pour être en mesure de recréer les pages donc, il fallait éventuellement euh, avoir accès à ce qu'on appelle le ftp file transport Protocol, qui permet de travailler à partir de notre espace sur notre ordinateur et de retransférer les, inf les informations sur le serveur donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller, euh, je vais aller sur Phoenix, je vais télécharger, soit je vais télécharger à partir de ce bouton, ou je vais me connecter via le FTP pour télécharger le design Gilblast dans lequel je vais faire mon développement. Donc là, je vais euh, rechercher filezilla. Donc une fois que j'ai mon filezilla, je vais me connecter euh, au site au FTP en utilisant euh, les accès développeurs pour C21. Je fais connexion. Et là, je vais aller sur dans mon espace de développement. OK. Dans tous les cas, je peux le faire ici. Et je vais télécharger le design que je vais appeler le design Gilblast. Ok, donc une fois que j'ai déjà mon design, donc il sera question pour moi d'utiliser les différentes variables. Euh, donc là, c'est là qu'il faudrait donc peut-être prendre beaucoup plus de temps pour comprendre euh, ces variables là. Pour moi, une variable globale, c'est une variable qu'on peut utiliser euh, généralement sur l'en-tête sur, ah, sur ou le pied de page. Donc si je viens par exemple dans les exemples de sites internet que nous avons déjà conçus, par exemple le cas de l'agence Arinkan ou Beauté et bien-être. Si je clique sur View, donc là, vous allez peut-être être en mesure de regarder déjà les anciens projets pour avoir une idée assez précise comment utiliser les différentes variables. Et si je clique sur Tweak, donc là, j'ai accès à ces différents blocs que nous avons créés. Je vais clier, cliquer sur... Donc, généralement, pour un site Internet, la structure va consister à avoir ce qu'on appelle le, le header ou l'entête, qui est généralement euh, un élément global. On a aussi le pied de page qui est aussi global et on a le milieu du, du le, le corps du site internet et généralement le corps du site internet c'est local donc par conséquent euh, on s'attendrait beaucoup plus à avoir les variables globales dans len et le pied de page et ça peut également arriver qu'on on euh, on mette les variables globales dans 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 le corps du site internet mais cela ça peut être particulièrement intéressant si éventuellement dans le corps de, des pages, euh, on veut faire appel à certaines variables globales, comme par exemple le numéro de téléphone, l'adresse courriel ou toute autre information. Donc, je vais vous montrer un exemple du projet euh, du projet Beauté et Bien-être. Ça, c'est un exemple qui peut qui, euh, qui peut nous aider à mieux comprendre la différence entre les variables locales et globales. Donc, dans ce cas, si je clique sur Header, donc vous allez vous rendre compte que Ici, on a utilisé certaines variables qui sont considérées comme globales. Par exemple, le website name, qui est le nom du site internet. Donc, si je, si je vais dans mon settings. Donc, généralement, le website name, ça va correspondre à quoi exactement? Le nom, ça va correspondre à ce qu'on appelle ici, website name ici. Euh, email address, c'est ça. Short description, address, phone number, copyright. Bon, heure d'ouverture. Bon, les médias sociaux sont là. Euh, bon logo bien ici par exemple le website name le, le logo donc ça c'est ça c'est généralement ça euh, ainsi, ainsi. donc ça dit que généralement lorsqu'on va vouloir travailler sur un projet il sera question de regarder euh, les projets qui ont déjà été faits ou être en mesure de répliquer pratiquement la même chose donc si je viens euh, pour le menu donc bon on, peut, on parlera des, fon des fonctions plus tard mais il y, a, il y a la fonction par exemple menu qui permet de pouvoir afficher l'élément du menu donc dans cet élément du menu euh, bon on parlera aussi de ça plus tard par exemple il y a les différentes positions du menu donc ces positions ce sont les éléments que on trouvera à ce niveau donc si je viens euh, dans apparence on verra les différentes les différentes positions du menu donc euh, ça correspond aux éléments qu'on dé qu définira ici peut-être plus tard mais quoi qu'il en soit l'idée c'est déjà de dire euh, pour lorsqu'on veut appeler les éléments qui sont globales ou les éléments qui se trouvent dans l'onglet Phoenix settings donc on peut utiliser déjà la syntax settings. Point, le nom de la variable et ces ces noms de variables vous les trouverez également ici donc dans dans l'onglet available variables. Donc nous avons euh, ici nous avons créé nous avons séparé il y a ce qu'on appelle local variables qui sont les variables locales et global variables qui sont les variables globales. Donc si éventuellement vous travaillez dans votre espace, vous pouvez tout simplement cliquer sur une variable et coller dans votre dans votre projet. Donc et, et vous vous retrouverez vous retrouverez également ces variables ici. Donc il y a ce que j'appelle variables globales. Donc, vous, voyez, vous allez voir euh, éventuellement le nom de la variable, donc le nom par exemple à propos, euh, le nom de la variable qui est là et le type de format. Donc format visiforme, c'est un type de formulaire qui permet de, 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 de remplir la variable. Par exemple ici j'ai l'adresse électronique, le type de variable c'est email. J'ai euh, template bon ça c'est pas forcément utilisé. J'ai euh, photo photo de profil c'est type photo, et ainsi de suite. Ok, donc, euh, avant de terminer cette vidéo, je vais déjà faire quelques exemples, euh, je vais faire un exemple pour vous montrer comment on peut rendre le dynamique le design, et je vais transférer sur le serveur, pour que, vous puissiez, euh, pour que vous puissiez exactement voir comment cela fonctionne. Ok, donc, dans mon espace de travail, j'ai eu à télécharger le design Gilles Blas, et dans ce design, j'ai mon, mon dossier Twig. Et mon dossier Tweak a tous mes éléments dont j'ai besoin. Donc, je vais ouvrir tout simplement ce fichier header.tweak. Et dans ce fichier header.tweak, je vais essayer de rendre dynamique ces éléments-ci. Donc, pour être en mesure de rendre dynamique ces éléments, ce que je vais faire, je vais tout simplement revenir dans mon, euh, dans un exemple de projet que j'ai déjà eu à faire. Par exemple, celui-ci. Et je vais aller dans dans le dossier Tweak. Et je vais cliquer par exemple sur Header. Euh, donc là, je vais cliquer sur Header. Ok, là je vais cliquer sur, sur Header et je vais euh, copier les éléments. Donc là déjà, euh, ici j'ai mon logo donc je peux copier cet élément pour le logo je copie dans tous les cas ça va être la même chose dans tous les projets dans tous les cas donc euh, euh, cet élément de logo je peux euh, header est ce qu'il y avait un logo ici euh, j'ai l'impression que non bon ok dans tous les cas s'il n'y a pas de logo c'est pas grave on va on va euh, on va le faire avec euh, d'autres éléments. Si je vais revenir ici, je vais aller dans Top banner, Je vais aller dans Tweak. Et dans Tweak, je vais aller dans Top banner. ok Dans mon Top banner, j'ai le titre de la page. Donc, je vais prendre le titre de la page. Et je vais mettre le titre de la page. Ici. Euh, donc, je vais mettre là. J'ai besoin du menu donc mon élément du menu c'est ça donc il sera question pour moi de d'aller dans mais le variable bon ou même ici ou euh, si je repars en arrière tué euh, bon, je vais dans header dans mon header j'ai les éléments du menu donc quoi qu'il en soit on reviendra là sur ça plus tard mais en gros je vais copier ça je vais coller ici et ici je vais mettre donc pour la fonction menu ici ça c'est la position du menu dans wordpress ça c'est la classe donc cette classe-ci correspond à cet élément ici donc je copie tout simplement ça et je vais coller là et ici il sera question pour moi de définir si je souhaite avoir des sous-menus ou pas donc bon dans ce cas particulièrement non donc je peux tout simplement enlever je peux remplacer je peux enlever ceci et je vais continuer avec les euh, avec ce bouton. Donc ce bouton ce bouton ici. Donc euh, pour le moment ce bouton-ci, c'est je peux utiliser pour le moment cette variable qui va s'appeler euh, si contacteur URL. Donc je copie, je copie ça et je vais coller ici. Et pour ce bouton-ci, je peux remplacer ça par contactos url, ceci. Donc, nous avons également une fonction qui s'appelle url pour transformer les id en url wordpress. Donc, je vais juste mettre ici url. Et pour cette partie-ci, je peux mettre une variable locale. Donc là, je vais revenir ici, je vais copier ceci, je vais coller là. Ok, donc là je vais sauvegarder, safe. Ok, donc là je continue avec euh, un autre exemple. Je vais par exemple continuer avec un autre, un autre exemple, About. Je crois que ça c'est un exemple que j'ai euh, ici. Si je vais sur mon site. Ok, après ça on a ce bloc. Ce bloc-ci si ça correspond à... Ok, About. Ok. Dans ma section About, je vais ouvrir également le bloc About. Et dans ce bloc About, je vais faire exactement le même processus. Le même processus. Quand je parle du même processus, ça veut dire que je repars dans mon, euh, je repars sur sur le site. Je vais aller par exemple euh, dans variables. Si je vais utiliser mes variables, bon. Moi, je trouve beaucoup plus pratique, euh, je trouve beaucoup plus pratique de copier directement à partir de avec le Mais bon, au fur et à mesure que vous allez maîtriser, peut-être, ça va être plus facile. Mais quoi qu'il en soit, l'idée ici, c'est de dire, je viens, je copie title, je remplace là, et je copie euh, la variable description, et je vais coller ici. Donc ici, euh, dans, dans la variable Twig, Twig généralement, ça, ça affiche les informations en convertissant les balises HTML en, en texte. Donc par conséquent, il sera question, éventuellement, vu qu'on a un type de formulaire easy, il sera question d'ajouter euh, le paramètre row pour permettre de convertir euh, la conversion de HTML en, 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 en valeur équivalente. OK, donc là maintenant j'ai mon bouton, je vais utiliser Call to Action Text, ceci. Je vais coller ici. Et ensuite, je vais utiliser Call to Action URL. Et là, je vais mettre URL. Donc, une fois que c'est fait, je vais m'arrêter là, mais je vais euh, tout simplement sauvegarder tout. Et je vais retransférer. Dans le serveur donc je veux retransférer dans le serveur en utilisant le ftp donc là je viens ici je réactualise et je vais ouvrir ce dossier pour éviter de faire des erreurs j'ouvre place et je transfère dans tous les cas je fais les modifications une demande en tweak donc je peux tout simplement transférer le tweak et là je vais overwrite donc une fois que c'est fait qu'est ce que je fais donc je reviens dans mon euh, dans mon panneau d'administrateur J'ouvre, euh, mon projet. Mon projet, c'était, euh, Gilles Blas. C'est ça. Je clique sur View. Je peux cliquer, virtualiser. Je peux cliquer ici, sur Sync. Je sync là. Et une fois que j'ai synchronisé, je vais revenir dans mon je vais revenir ici. Réussir à faire la, les ajustements dont j'ai besoin. Si je clique sur Modifier la page. Donc, vous allez vous rendre compte que là, il y a quelques champs. Il y a quelques formulaires qu'on peut remplir, pour être en mesure de rendre dynamique le site internet. Donc, je peux par exemple déjà changer ce titre, que je peux appeler ça "Bienvenue euh, sur mon portfolio". Et ensuite, je peux euh, écrire quoi N'importe quoi ici. Donc, normalement, ça devrait s'appliquer automatiquement sur le site internet. Euh, mon site web euh, personnel. Peut-être vous présente euh, quelques quelques réalisations. Donc, c'est vraiment, c'est juste pour 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 à ah, début de démonstration quoi qu'il en soit. Et ici, je peux avoir accès aux liens Donc, je peux cliquer là pour choisir les liens. Euh, et si je clique sur mettre à jour, donc là, je peux tout simplement cliquer ici et voyez, là déjà, il y a déjà quelques ajustements. Donc, je peux revenir ici. Voilà, euh, le bouton ici, il y a le bouton call to action qui est là. Euh, et quoi d'autre donc euh, donc on euh, savoir plus call to action text ceci donc, si j'ai fait enregistrer ok donc pour le moment ce bouton n'est pas fait donc je vois que ce bouton n'a pas été euh, modifié donc je peux tout simplement revenir dans mon dans mon euh, ici et j'essaie de voir pourquoi ce bouton ok donc Ici, vous voyez, ça a été défini de façon globale. Donc, par conséquent, il sera question pour moi de venir dans mon panneau d'administrateur et de cliquer sur Phoenix. Et là, ici, je peux euh, euh, écrire n'importe quoi. Donc, ça, c'est vraiment les boutons, comme je l'ai dit tantôt, vers les variables euh, qui sont globales. Et je peux choisir un lien. Euh, contactez-nous. Je fais mettre à jour. Et si je pars pas sur le panneau d'administrateur, là, vous voyez, contactez-nous. Donc, ça, c'est un peu en gros... Euh, comment rendre dynamique un design en utilisant l'approche phoenix? Donc, c'est sûr que c'est vraiment la base que j'ai eu à présenter. Donc, il y a beaucoup plus que ça. Et quand je parle de beaucoup plus, ça veut dire, par exemple, qu'est-ce que variable choisie? Pourquoi choisi. Par exemple, dans ce cas, ici, j'ai, euh, ici, j'ai comme des éléments qui se répètent. Donc, par exemple, dans ce cas, pratiquement, il sera question de choisir plutôt des éléments qui se répètent. Et, on, on pourrait mieux s'orienter en utilisant euh, en se servant de cette colonne pour savoir quel type de variable choisie. Par exemple, ici, repeater, ça veut dire qu'il y a des variables qui se répètent. Donc, par conséquent, je peux, par exemple, utiliser list euh, pour permettre d'avoir des éléments qui se répètent. Ou, si je continue plus bas, j'ai également euh, une autre variable, qui s'appelle quick option, qui permet d'avoir aussi des, des éléments qui se répètent. J'ai également encore slider. Bon, euh, slider. Donc, si, par exemple, je veux, euh, euh, veux peut-être rendre dynamique. Euh, si je, par exemple dans le dynamique cette section ici je peux utiliser euh, n'importe quelle variable qui sont ici par exemple je peux utiliser il euh, y a par exemple team il y a euh, options qui est aussi un repeater il y a list, il y a fact bon bon quoi qu'il en soit ça dépend vraiment du besoin comme je l'ai dit si je prends par exemple le cas de fact donc je vais venir ici je vais copier tout simplement cette variable et je vais essayer d'identifier le bloc que je, ou que je souhaite rendre dynamique. Par exemple, ce bloc-ci s'appelle, euh, Service, service, je crois. Si je ne me trompe pas, c'est, euh, oui, c'est ça. Service, service. Donc, si je viens. Et ce qui est intéressant vraiment avec Phoenix ou euh, les blocs utilisables, c'est qu'on peut prévisualiser déjà euh, nos éléments ici. Donc, ça, ceci correspond au bloc euh, service. Donc, ce bloc-ci, je vais tout simplement revenir dans mon panneau d'administrateur. Je viens ici, je vais cliquer sur service et Je vais modifier et je vais faire le même processus. Donc là, j'ai mes différents éléments. Donc je commence, je repars dans mon euh, système. Ici, développeur. Là, je vais prendre les différentes variables dont j'ai besoin. Par exemple, euh, j'ai besoin de la, de la variable title. J'ai besoin de title. Donc je copie ça. Euh, title, c'est peut-être ceci. J'ai aussi besoin de son title. Bon. Je, je peux remplacer ça par subtitle et j'ai besoin des éléments qui se répètent et comme je l'ai dit tantôt euh, il y a plusieurs éléments qu'on vous pouvez utiliser dans ces cas par exemple option, bon peut-être plus tard ça, ça, ce sera plus clair quel type de variable utiliser, mais si par exemple je vais utiliser liste ou fact par exemple, Alors, je peux par exemple venir ici, je copie fact et je viens J'essaye de rendre cette partie dynamique. Donc, euh, éventuellement, il sera question de d'identifier déjà les éléments et de venir ici et de euh, faire euh, if fact is not empty. Alors, je ferme euh, ma syntaxe. And if. Et là, je vais venir ici, je fais. For items, in fact, in fact, euh, là je vais faire end for. Ok, donc là ici je peux enlever ceci, ça et ça. J'enlève les deux ces deux-ci. Et ici je peux tout simplement remplacer par euh, par les différents éléments du bloc. Bon, pour le moment, ce n'est pas, pas encore clair vraiment quels sont les sous-éléments qui se trouvent dans ces différents éléments. Mais quoi qu'il en soit, on reviendra dessus plus tard. Mais en gros, ici je sais déjà que, bon, en ce qui me concerne, puisque je travaille là-dessus déjà, je sais que j'ai ici j'ai euh, déjà euh, title. Donc je peux faire item point title. Et ici je peux faire item point. Euh, item.description ok, donc je crois que j'ai oublié ça mais ici, si vous allez sur le guide vous allez, il y a, euh, j'ai mis dans notre euh, j'ai mis dans le euh, dans l'onglet snippet les différentes variables, donc ici il y a les fonctions vous allez voir au niveau de cet onglet vous verrez les fonctions de, les fonctions les différentes fonctions que nous utilisons, euh, vous verrez aussi les variables globales, donc ça vous permettra peut-être d'avoir une idée beaucoup plus précise de quels sont les sous éléments. Et vous voyez, vous verrez aussi les variables locales. Donc si je recherche par exemple dans ça, je recherche euh, ce, la variable que je suis présentement en train d'utiliser s'appelle euh, fac. Donc si je recherche fac, donc là je peux avoir une idée de quels sont les éléments qui sont inclus dans fac. Par exemple dans ce cas, j'ai title j'ai icon, donc je peux déjà l'utiliser pour mes icônes. j'ai icon, ce qui correspond éventuellement à cette partie que je souhaite peut-être rendre dynamique. Euh, donc là, je peux mettre item icon. Et j'ai également, si je continue dans mon dans, ici, j'ai également description. Donc vous voyez, ça c'est description. Et généralement, lorsque vous lorsque vous la, 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 le type de variable c'est un visiforme, donc normalement ça va y venir avec euh, la balise p. Donc euh, techniquement, je n'ai peut-être pas besoin de cette partie ici. Donc je peux tout simplement enlever ça. Et comme je l'ai dit dans euh, l'exemple précédent, ici vu que c'est un visiforme, on peut ajouter euh, le l'attribut raw pour être en mesure de euh, dans la l'attribut raw pour permettre de pour, pour être en mesure de convertir la balise p en son à son, à son en son équivalent html euh, si je repars dans mon design ici j'ai également euh, ici j'ai également besoin des autres variables par exemple ça donc je peux euh, OK, c'est question Uh, un instant, je regarde. Ok. Le uh, below a uh, impossible to resist. Je ne sais pas. Ça correspond à quoi exactement uh, A you a question. Okay. Ah non, non, désolé. Ok. Donc, ça, ça correspond à un autre, à un autre élément que, que nous voulons rendre dynamique. Donc, je peux enlever cette partie. Donc, une fois que c'est fait, je vais tout simplement synchroniser, je vais sauvegarder tout. Dès que je sauvegarde, je peux retransférer je peux re mon, mon tweak ici. Et quand je retransfère, je repars dans Phoenix, dans la plateforme Phoenix. Je vais aller sur site. dans euh, Gilles View. Je vais cliquer ici pour synchroniser. Et là, je vais cliquer. Donc, déjà, si déjà, avant, avant d'aller avant de synchroniser sur le site, vous pouvez déjà vérifier si les variables ont été bien enregistrées. Donc, vous voyez qu'ici, les variables ont été enregistrées. Il y a title, il y a euh, subtitle, title et fact qui ont été enregistrés. Et, et ces variables enregistrées correspondent exactement à, à, aux variables que nous avons définies ici. Donc et une fois que c'est fait, je peux cliquer ici, et synchroniser. Et quand je synchronise, si je repars sur la plateforme, je réactualise. Donc, vous voyez, là, présentement, ça, ça va déjà générer, bon, ça, ça sont les valeurs par défaut. Je peux cliquer ici. Et là, j'aurai la possibilité, il y aura la possibilité pour moi de modifier ceci. Donc, euh, je peux dire mes services, par exemple. Service. Mes services, euh, notre agence, bon, je peux par exemple, si je clique ici, vous voyez les formulaires qui apparaissent. Donc, je peux dire conception des sites internet, conception des sites web, euh, conception des sites web. Je clique là, euh, application, développement euh, des développement des applications, euh, les applications. Euh, si, je, si je clique ici, euh, commerce électronique. Donc, ici si je clique sur synchroniser, euh, sauvegarder. Donc, vous, vous allez voir euh, là, ça va apparaître normalement ici. Donc, euh, ça, c'est un peu, en gros, comment vous pouvez rendre dynamique un design en utilisant le concept Phoenix. Donc, ajouter la vidéo d'hier. Ceci vous permet d'avoir déjà une idée un peu assez globale de comment utiliser Phoenix pour la création des sites Internet sur WordPress. Euh, dans la prochaine vidéo, nous allons entrer en profondeur dans les différentes variables et nous allons entrer, vous allons voir beaucoup plus en détail comment utiliser ces variables leur utilité et dans quel type de bloc utiliser une variable plutôt qu'une autre. Donc, merci beaucoup et à bientôt.